Coucou mes choubidous! Youhou! Youhou! Alors, je reviens aujourd'hui pour un haul action. Action, réaction. Mais un haul action spécial. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, vive le vent. Est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Allez, go! On démarre! Alors, sur ce, j'ai acheté ce petit pyjama XL. Alors, je ne vous cache pas que ça taille petit. On va le regarder ensemble. Ça taille vraiment petit. Parce qu'il y en avait un d'ouvert. Et franchement, si ça c'est du XL, c'est vraiment petit. Hein. Franchement, ça fait plutôt taille L, vous voyez? L ou M. Donc faites très attention. Si vous voulez une grande taille, les pyjamas, là, ils taillent trop petits. Autant ceux de Primark qui taillent très grand. Autant ceux de. Voilà, vous voyez? C'est vraiment plutôt un taille L qu'un taille XL. Donc, je vous recommande de faire attention aux dates. Ils taillent vraiment petit pour moi. Voilà. Donc, ça, je l'ai payé 5,99 €. Ensuite, j'ai pris ceci parce que comme j'ai mon canapé lit là, celui-là, là, là, celui-là. Et du coup, bah, je me suis dit, bah, faut que je lave, bien sûr, je vais prendre ceci. J'ai payé 3,99 €. C'est en jersey, 140 par 90. La matière a l'air sympa, voilà, c'est tout à fait ce qu'il me faut. Il a l'air un peu plus fin que celui de Carrefour. Parce que je l'ai payé 3,99 € ou 4,99 €, je ne sais plus. Mais par contre, celui de Carrefour, il est vraiment très épais, quoi. Bon, on verra bien. Voilà, 3,99 € ou 4,99 €, je ne sais plus. J'ai pris ça pour ma fille, 1,69 €, c'était en promo du jour. Franchement, pas déçue. J'en sais rien, j'aime bien, je dis pas déçu, j'en suis strictement rien d'ailleurs, parce qu'elle n'a jamais mangé ça. Voilà, ben, on verra bien. Parce qu'elle est compliquée. En ce moment, ils font les soupes Félix, alors elle aime bien la soupe Félix, elle n'est pas trop chère, 1,75 €. Un tremblement, un tremblement. Ensuite, j'ai trouvé ça de la cive. Chivet, ils appellent ça chive. Mais c'est de la ciboulette, tout simplement. Sibylle, ciboulette, 1,20 €. 99 centimes ou 89 centimes. Des joujoux pour ma fifille, il n'y en avait plus qu'un. Mais ça, c'est pour Noël, je lui donnerai à Noël. Hein. Ensuite, un pull pour mon fils, je l'ai ouvert, hein, mais il est magnifique. Hein. Alors là, c'est XXL. Il va le mettre, hein, parce qu'à tous les ans, chez maman, on met une tenue. Alors moi, je mets une tenue de Noël, j'ai la robe déjà de l'année dernière. Ah, il est magnifique, franchement. La matière, elle est super et il coûte 8,99 €. Ou 8,90 €. Franchement, je le trouve sublime. Et il sera bien obligé de le mettre cette fois-ci, parce que j'en ai marre de l'acheter à chaque fois des trucs. Ça, c'est pour ma fifi, 89 centimes pour Noël, pas pour maintenant. Et ça, j'ai payé ça 1,20 €, c'est des LED. Alors, je ne vous dis pas comment ils éclairent. Alors, je vais vous montrer, comme ça, si vous voulez en acheter. Ça se colle, hein. Moi, je le mets, comment dire, sur ma clé USB. Oui, enfin, vous voyez rien du tout, mais ça éclaire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, donc j'ai pris ça pour 1,29 €. Voilà, je me suis dit, pour Noël, je ne sais pas où je vais le mettre, peut-être sur mon ordi, je ne sais pas. Voilà, mais en tout cas, 1,29 €, ça vaut le coup. Il ne faut pas s'en passer. J'ai repris un petit pinceau, 89 centimes. Alors, c'est plus pour le fond de teint. Moi, c'est vraiment pour le fond de teint quand je vais. Eux, ils disent que c'est. Ils disent rien d'ailleurs. Bah, d'ailleurs, pour l'ouvrir, mystère et boule de gomme. Voilà, il est comme ceci. Moi, je vais vraiment. Parce que j'en avais acheté un que j'avais payé très cher, Technical, je ne sais plus quoi. J'avais acheté à Monoprix et j'avais payé très cher quand même. Je ne sais plus combien, 17 euros ou 16 euros, j'en sais rien. Et que là, 89 centimes. Et apparemment, c'est la même forme. C'est pas la même couleur, mais c'est la même forme. Bon, il était couleur un peu rouille. Roux. Et cette petite plante à 1,29 € qui est trop mignonne. Je vous ai dit que c'était un haul Noël. On a vu que pour l'instant, on a vu quoi? On a vu quelques petits trucs. Maintenant, le dernier, je vous le montre à la fin, d'accord? Mais vraiment. Alors, on y va. J'ai décidé de faire un décor doré. 99 centimes les deux plats. Franchement, ça fait des années que je ne fais pas doré. Je fais tout le temps argenté. Et là, j'ai décidé, par rapport à une chose. Une chose, je me suis dit, allez, Sybille, il faut que tu fasses comme ça. Voilà. Donc, je vais acheter un vrai sapin. Alors, on prend le sac. J'ai pris
les sets de table, comme ceci, 89 centimes peut-être, je ne sais pas le prix, je crois que c'est 89 centimes, doré, magnifique, doré et couleur paille. Ils sont jolis, hein. Voilà. Attendez. Oui. Ah oui, je peux faire un chapeau. Je peux faire un joli chapeau. Parce que si je veux faire un truc, il faut que je fasse un sketch. Et il faut que je trouve quelque chose et qui fasse un peu original. Ouais, puis je mets un ruban. Enfin, on va voir. Bon, bref. Pour l'instant, c'est pas le but. Pour l'instant, c'est pour mettre sur la table pour Noël. Alors, ensuite, le clou du spectacle, il est là, mais je vous montre après. Après. En fait, c'est par rapport à tout ça. C'est par rapport à tout ça que j'ai acheté du doré. Voilà. C'est vraiment par rapport à ça. Allez, encore un tremblement. Bravo. Alors, les petites boules à 1,59€ dorées pour mettre sur mon sapin. Elle vit déjà, elle a vu le sapin artificiel, elle commence à le manger. Alors, je ne sais pas quoi faire. Je vais racheter un vrai sapin, je crois. Voilà, pareil, j'ai pris deux comme ceci. J'ai pris un comme ceci. C'est dommage qu'il n'y avait pas blanc. Mais voilà, j'ai pris, parce que d'habitude, je fais blanc argenté. Là, du coup, j'ai pris doré. C'est vraiment, j'avais rien en doré, mais strictement rien. Alors, ensuite, j'ai été chez Babou. J'ai pris à 1€ ceci avec des petites étoiles. Et j'ai trouvé en blanc. Voilà, ça, je suis très contente. J'ai trouvé ceci, je trouve ça trop joli. 1,99€. J'ai trouvé ça trop mignon. Doré. Je mets jamais de doré. Non, mais... Attendez. Hop. On y va. Go, 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 Sybille. Go. Le clou du spectacle, vous ne l'avez pas vu, mais quand vous allez le voir, franchement... Alors déjà, ça, c'est trop mignon. Voilà. Mais c'est marrant, j'étais persuadée que ça s'ouvrait. J'étais persuadée que c'était un truc qui s'ouvrait. Mais je pense que ça s'ouvre. Voilà. Oh bah, Sybille, bravo. Oui, ça s'ouvre. Les nœuds. Alors moi, je suis la spécialiste. Je déteste. Je dis bien, je déteste enlever les nœuds. S'il faut, je le ramène. Hein. Regardez. Si vraiment j'y arrive pas, je le ramène. Hein, parce que là, c'est abusé, quoi. Alors, attendez. Oh, une heure, le facteur n'est pas passé. Deux heures, le facteur n'est pas passé. Je me suis dit, j'ai acheté ça pour Noël. On verra, il va falloir que je le démêle parce que c'est la caca et la guette à soif. Et une petite lampe. Parce que voilà, je vous explique. J'avais pris une sorte de pied de lampe en mini-imitation cristal, mais c'est du plastique. Et il y avait justement de quoi mettre, il y avait une lampe avec le fil et de quoi mettre une ampoule. Et j'avais pris une super ampoule gronde, un peu aluminisée, très très jolie là. Donc, elle est arrivée à la caisse, elle me dit c'est 8,99€ le pied de lampe. Je dis non, tout le monde m'a dit que c'était 4,99€. Alors elle me dit bah non, ah, bah, j'ai dit je suis désolée, je ne vais pas le prendre à 9€, c'est du plastique, je ne vais certainement pas prendre ça à 9€. Je trouve que ça a trop augmenté, c'est abusé quoi. Donc j'ai dit non, ça c'est parce qu'on fait de la pub hein. Non, je suis désolée, je ne le prends pas. Et du coup, je ne prends pas l'autre lampe qui est à 7,99€, qui était sublime. C'était juste une lampe, mais vraiment toute sculptée, aluminisée, vraiment très jolie. Et si je vois sur le catalogue Action, je vous la mettrai ici ou là. Hop. Il est passé par ici, il est passé par là. Du coup, j'avais pris cette petite lampe-là aussi, qui me sert strictement à rien, parce que j'ai rien pour mettre la lampe. Mais bon. En plus, c'est quoi? Je ne sais même pas ce que c'est. LED énergie efficiente, 470. Bon, on verra, je l'ai payé 1,59€. Et l'article que je vais vous montrer, je l'ai payé 14,90€. Quand vous allez le voir, vous êtes prêts? Non, vous n'êtes pas prêts, c'est pas possible. Tu n'es pas prêt, tu ne peux pas être prêt. C'est pas possible. C'est impossible. Ok? Alors, je vais donner un indice. Angelo. Mais non, pas un Angelo. Qu'est-ce que je peux donner comme indice? C'est Noël, c'est sûr. Film de Noël. Beaucoup de films de Noël ont ça. Alors, on y va? La boîte est grande comme ça. Hein. Je vous dis, je l'ai payé 14,90€. Je vous montre. Voilà, un ange. Regardez comme elle est magnifique.
Regardez comme elle est belle. Mais regardez, et hop, elle est en LED. Et ça se met sur le sapin. Elle a une culotte, j'espère. T'as une culotte, ma fille? Non, pas culotte. Non, je rigole. Voilà, elle est comme ceci. Elle est sublime, 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 sublime. Pour l'instant, je la laisse dedans. Mais je vais... voilà, je la mettrai sur le sapin. En souhaitant qu'Ivy ne la mange pas. On ne mange pas la fleur, là. Et franchement, mais regardez le visage. Comment je peux faire pour... Regardez ça. Elle est sublime. Voilà, je me suis dit, je ne peux pas passer à côté, c'est pas possible. Voilà mon haul action. Ouais, il y en a pas mal. Hein. J'espère que ça vous plaît. Dites-moi ce qui vous a le plus. Je pense sincèrement que c'est l'ange. Les pulls aussi sont très jolis. J'ai un autre pull aussi que j'ai acheté, que je vais vous montrer. Je vous remontrerai dans une autre... Dès comme ça, j'en ai pas vu. En fait, c'est... Et celui-là, il est magnifique. Voilà, bah sur ce, si t'es pas abonné à ma chaîne, abonne-toi. Tu sais, on va rigoler, on va se marrer, hein, c'est clair. Hein. Si tu n'as pas actionné la petite cloche, ding dong, ding dong, ding dong, je vais faire que des clowneries. Hein. Si tu n'as pas actionné la petite cloche, actionne-la. Comme ça, tu auras mes prochaines vidéos. Tu pourras voir. Et puis, like, partage. Ça fait plaisir de partager parce que plus on partage, plus on est reconnu sur l'algorithme de YouTube. Et il faut savoir aussi que les commentaires, c'est très, très important. Alors moi, à chaque fois que je vais faire une vidéo, je vais poser une question. Quelle est... Là, je vais avoir un problème. J'ai le téléphone qui sonne, il faut absolument que j'aille pas répondre. Quelle est la couleur, ta couleur préférée? Sur ce, abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Je vous aime, I love you, je te quiero, te amo, bye bye.